c'est parti. Donnons de la voix à tous ceux que l'on n'entend pas. Nous sommes le club des supporters. L'envisport au cœur de l'action. Chantons pour que vous tenez. Moi je suis paraplégique depuis 92. Et depuis ce temps-là, j'ai vu pas mal d'évolutions et j'ai notamment pratiqué une bonne série de sports, l'escrime en particulier, le ski alpin aussi, mais le basket, le tir à l'arc, le tennis de table. Avant mon accident, j'étais très sportif, mais pas en compétition. Depuis mon accident, j'ai eu l'occasion de goûter à la compétition. Et la compétition en e-sport, ce que ça a changé dans ma vie, bah, c'est ce goût des voyages, ce goût des rencontres. Qui se matérialisait ou qui se cristallisait finalement le plus, c'était sur les Jeux paralympiques où en fait on est sur une petite planète. Le monde entier est réuni sur un endroit, un même lieu, un même temps et donc il se passe quelque chose de génial. Le sport, j'en ai fait, on peut le dire, quand je regarde derrière, il y en a pour 20 ans et j'ai mis fin à ma carrière il y a 2 mois là, au championnat du monde de ski alpin. Et aujourd'hui, je regarde ça avec plaisir, tout ce parcours et je me tourne vers un avenir qui va consister davantage à profiter de mon expérience, à en faire un partage le plus utile possible pour que les jeux de demain, qui soient les jeux de ces jeunes-là qui sont derrière nous, soient les meilleurs possibles. J'espère à Paris 2024 qu'on puisse leur offrir une exposition la plus belle possible et qui permette à chacun de se révéler, notamment dans le sport.